Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence prévue dans un format relativement court. Elle va traiter d'un sujet d'innovation transatlantique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais vous parler d'un savoir-faire horloger qui s'est aventuré sur la mer et qui a cultivé des liens étonnants avec l'univers de la nutrition santé. Avant de commencer, je voudrais remercier l'ensemble des contributions qui ont permis de préparer ce sujet. Beaucoup d'associations ont été moteurs dans la réflexion. Et puis, pour concrétiser ce processus de créativité, les équipes de la Maison des États-Unis ont aussi fourni une aide très précieuse. Et je les en remercie, tout particulièrement la présidente Mariette Cassouret et épaulée également de Virginie. Alors pour aborder le sujet de ce jour, je vous propose de l'introduire à travers le prisme d'un jumelage. Il existe une relation de jumelage entre Nantes et Jacksonville et qui offre une fenêtre transatlantique pour la ville, pour son histoire maritime, pour sa relation de ville-port avec la Caraïbe, avec la péninsule de Floride et avec l'ensemble des communautés et des diasporas qui y sont passées. Mais ce jumelage historique est aussi au cœur d'un formidable réseau qui relie deux régions maritimes, la Loire Atlantique et la péninsule de Floride que j'évoquais, qui constituent un réseau franco-américain ouvert à d'autres cultures, à d'autres découvertes dans le champ des sciences du vivant, de l'économie bleue, de la botanique, sans oublier aussi le potentiel des biotechnologies, avec de nombreux acteurs qui existent dans ce domaine des deux bords de l'Atlantique. Et puis la thématique d'aujourd'hui est aussi un jumelage entre des éléments, à savoir l'horlogerie et l'univers des coquillages. Alors pour bien comprendre ce lien, il suffit peut-être de vous remémorer une histoire que nous connaissons bien ici à Nantes, qui est l'ensablement très important de la Loire. Nantes a souvent lutté avec son fleuve, avec les courants de la Loire ouverts sur l'océan, avec l'estuaire. Et c'est un élément qui est également assez présent dans les épopées, les exploits maritimes d'explorateurs. Je pense à René Goulaine de Laudonnière et son compagnon Jean Rideau, lorsqu'ils ont voulu approcher St. John River et bâtir Fort Caroline en Floride. Et si vous avez en mémoire ces deux sites des deux bords de l'Atlantique, eh bien, que ce soit la Loire qui soit ensablée ou même les côtes de Floride, vous pouvez bien souvent apercevoir des coquillages sur le sable. Et ces minéraux marins constituent une très grande richesse, car sans le savoir, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et c'est justement la quatrième dimension que je vous propose d'aborder ensemble, c'est ce jumelage des symboles, à savoir la dimension éternelle et silencieuse des coquillages et l'audace de l'horlogerie venue perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, cette géologie des éléments, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que elle prend également forme dans des signatures architecturales qui façonnent la ville de demain dans le Grand Ouest de la France. Ici, vous avez notamment l'exemple d'Urban Quartz dans le secteur de la gare de Rennes, qui va accueillir prochainement un quartier européen des affaires. Et ce pôle qui fait référence au quartz est intéressant. Vous savez que le quartz est également très présent dans la Loire. C'est un minéral qui a aussi joué un rôle très important en horlogerie.
C'est notamment en Extrême-Orient, au Japon, que Seiko, qui veut dire le succès en japonais, a joué un rôle pionnier en inventant la montre à quartz. Et de façon générale, le quartz sur les bords de Loire est un minéral qui est là pour apaiser les émotions et qui permet de récupérer sa propre lumière et d'être soi. Alors, j'ai été très heureux de préparer cette visioconférence avec l'aide de la Maison des États-Unis, qui est là pour fédérer l'ensemble des activités du jumelage entre la ville de Nantes, la ville de Jacksonville en Floride, mais également Seattle sur le bras du Puget Sound dans l'État de Washington sur la côte ouest pacifique des États-Unis. Merci encore une fois à sa présidente Mariette Cassouret pour son aide. En retournant un peu en arrière, j'ai retrouvé à la fois de très beaux symboles du patrimoine horloger de ces villes partenaires. Je veux signaler la galerie de l'horloge que vous connaissez sans doute dans le prestigieux Passage Pommeraye, dans le centre-ville de Nantes, cette galerie commerçante qui nous permet, avec ses trois niveaux, de voyager dans l'espace et aussi dans le temps. Et puis, à Jacksonville, c'est bien entendu sur Laura Street, où il y a une magnifique horloge qui attire à la façon d'une clock tower qu'on retrouverait dans beaucoup de villes nord-américaines, mais aussi dans de nombreuses nations anglophones du Commonwealth. C'est une horloge qui est aussi une signature architecturale importante pour la ville, très Instagrammable pour les mariés, les promeneurs, les visiteurs qui viennent découvrir le nord de la Floride et en particulier Jacksonville Downtown. Alors, ce qui rend le sujet très actuel aujourd'hui, c'est que depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel, pardon, de l'humanité. Alors, on pense immédiatement à la Franche-Comté, à des villes comme Besançon, aux portes de la Suisse, mais il a aussi existé un arc horloger transatlantique que je vous propose de découvrir. Alors, la particularité de la candidature portée par la France en collaboration avec la Suisse a été considérée comme exemplaire par la mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel immatériel transfrontalier. Cet élément transfrontalier est très important car beaucoup de réfugiés, et notamment des protestants nantais, des huguenots, ont fait circuler le savoir-faire horloger d'une région et d'un pays à l'autre. Alors, on pense autour de cette histoire, bien évidemment, à une capitale au carrefour de l'Europe, qui est Genève, où se sont réfugiés des protestants français et italiens. Mais moins connu, il y a eu aussi ce mouvement transatlantique des huguenots qui sont allés aussi se réfugier en Afrique du Sud. Je pense en particulier dans la région du Cap. Et puis, en ce qui concerne la relation particulière entre Nantes et les États-Unis, ce sont sur les côtes du nord de la Floride où des huguenots nantais ont essaimé et en particulier ont participé à la fondation de Fort Caroline. Toujours est-il que, il est important de retenir que le savoir-faire horloger s'est aventuré sur la mer, et en particulier jusqu'aux côtes de Floride, même si on pourrait également citer l'Afrique du Sud, avec l'apport transatlantique de huguenots nantais. Ces Nantais ont été dans une situation historiquement difficile, avec bien entendu l'influence de l'Espagne dans la péninsule de Floride. Mais ceci est un élément intéressant qui me permet
de vous parler plus particulièrement des origines du métier d'horloger. Ce métier d'horloger a justement des origines qui sont extrêmement mystérieuses, car c'était un métier qui s'écrivait sans H et qui a été notamment en rapport avec le réglage des canons. Les horlogers qui maîtrisaient la gravure des platines en laiton ont pu innover dans la fabrication d'instruments de pointage, mais aussi de calcul, comme les équerres à fil à plomb ou les compas de proportion de Galilée permettant toutes sortes de calculs et souvent des échelles destinées à un usage en artillerie. Alors, ce savoir-faire historique a aussi été très présent dans l'estuaire de la Loire, notamment sur le site de Bassindre, les fameux canons d'Indray, les canons du roi, qui ont attiré également des transferts de savoir-faire et de connaissances, en particulier à travers la saga Wilkinson. Mais bien entendu, ces canons ont été aussi au cœur d'une rivalité entre les défenseurs de cette Floride française au nord de l'État de Floride dans l'actuelle Jacksonville et puis de l'autre côté les Espagnols. Alors, c'est justement l'une des spécificités de l'histoire de l'horlogerie, c'est un contexte politique lié aux frontières, puisque la Franche-Comté, tout comme la Floride, était espagnole. Et Louis XIII et son fils Louis XIV vont justement reprendre ce territoire. Et donc, il va y avoir une contrebande de connaissances et de compétences qui existent toujours aujourd'hui des deux bords de la frontière. D'où l'intérêt aussi de mettre en valeur les échanges transatlantiques, puisque je crois qu'on pourrait également retrouver beaucoup de choses autour de l'influence espagnole en Floride et des apports qu'ont pu apporter justement des huguenots nantais à travers le savoir-faire horloger. Alors maintenant, si on se rapproche de notre région, à l'échelle du Grand Ouest, il existe sur les marches de Bretagne un campus des métiers qui valorise encore la formation et l'apprentissage. Le château des Ducs de Bretagne à Nantes fait aussi partie des marches de Bretagne, cet espace frontière. Et il existe à l'échelle du Grand Ouest encore une école d'horlogerie réputée qui est située sur la ville de Fougères. Alors, l'école d'horlogerie de Fougères rend hommage à un grand passé puisqu'elle porte le nom d'un prix Nobel de physique. Et le site se situe aujourd'hui sur le parc d'activité de la Grande Marche que je vous invite à découvrir. Alors, je vais vous parler d'une bijouterie-horlogerie qui a été fondée par mon arrière-grand-père, tout d'abord dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec cet emplacement historique qui était la grande rue des Stuarts et qui a développé une passion pour l'innovation. Et pour résumer cette culture de l'innovation, il y a une formule assez simple que j'ai résumée en bas. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Alors, dans cette bijouterie-horlogerie, il y avait une marque qui fera beaucoup sensation à l'époque, c'est la marque Zénith, à la fois visible sur la vitrine, mais aussi sur le fronton, à travers la photo que vous avez à l'écran. Alors, cette grande rue des Stuarts a sans doute voyager également au-delà des mers et des océans, puisque vous savez qu'en Floride, il existe également un comté, le comté de Stuart, qui fait justement indirectement référence à cette dynastie qui a été en exil sur trois royaumes, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Et je pense que ça montre à quel point la Caraïbe
a été, avec la péninsule de Floride, une formidable plateforme, un espace également, un incubateur de l'engagement pour beaucoup d'exilés, pour beaucoup, en ce qui concerne le prisme de la relation avec Nantes, beaucoup de protestants francophones qui sont partis vers le Nouveau Monde en recherche de nouvelles opportunités, mais qui ont été aussi les passeurs de très grandes traditions, et le savoir-faire horloger en fait partie. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la marque Zénith, qui a été un point de départ important pour les industries probiomères que je vais vous présenter. La marque Zénith a été impulsée grâce à l'esprit fondateur d'un Suisse qui va imaginer, sans doute inspiré par le soleil de Floride, the Sunshine State, de grands espaces lumineux. C'est la lumière qui va être capitale et qu'il va dédier à l'horlogerie où le travail va être contrôlé de bout en bout et industrialisé, en s'inspirant de techniques notamment nord-américaines, puisque progressivement après la Suisse, ce sont aux États-Unis où se sont développées des manufactures de masse, d'abord à Philadelphie et ensuite sur l'ensemble du territoire américain jusqu'à Seattle, qui est également jumelé avec Nantes sur la côte ouest des États-Unis. Mais la réunion de l'ensemble des métiers horlogers sous un seul et même toit était une innovation de la marque Zénith. Alors, cette marque Zénith, ces montres Zénith ont connu une renommée mondiale. Elles ont été récompensées lors d'expositions universelles et elles ont été portées par de grandes personnalités, notamment, je pense à Gandhi, mais aussi l'aviateur Louis Blériot, qui appréciait beaucoup sa grande ponctualité. Et vous avez ici sur cette liste un vaste panel d'autres personnalités à travers le monde, y compris des joueurs américains de basketball. Alors, nous parlions en introduction du sable coquillé, des minéraux marins, de la Loire, présent dans son vaste estuaire, mais aussi dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et comment le savoir-faire horloger a-t-il justement, de monts et merveilles, pu développer une reconversion sur d'autres usages qui n'avaient pas été identifiés ? Alors justement, l'estuaire de la Loire, mais aussi la baie du Mont-Saint-Michel ont été deux pôles d'innovation. Mais pas seulement, parce que l'innovation a réussi à circuler très vite en réseau, avec Nantes, mais aussi avec Saint-Malo, avec les îles anglo-normandes et avec d'autres pôles. Alors pourquoi cette innovation a circulé ? Eh bien, tout simplement parce que la capacité de l'horlogerie à produire de petits moteurs très ingénieux, à animer des automates, à réparer des montres-bracelets avec des outils très très fins, a servi à identifier des molécules d'intérêt et des minéraux marins dans les brisures de coquillages. Et c'est ce qui a permis de développer des recherches en nutrition santé. Vous savez sans doute que c'est bien entendu un écrivain nantais bien connu qui a souvent été l'assembleur, l'agrégateur des hommes, des sciences et des techniques. Et je voudrais rappeler, en vous parlant de la baie du Mont-Saint-Michel, qu'en allant sur les traces de Jules Verne, eh bien, ce passionné de voile et de navigation a eu trois bateaux, en référence à Saint-Michel, le Saint-Michel I, le Saint-Michel II et le Saint-Michel III, qui a bien entendu nourri son esprit d'imagination et d'innovation. Vous avez une vieille photo que l'on retrouve sur les bords de Loire, à 30 moules, avec l'une des répliques, justement, du Saint-Michel, qui a été aussi, qui a existé en plusieurs exemplaires.
Alors, je vous indiquais que lorsque vous êtes sur une plage ou même dans l'estuaire de la Loire, au contact des marées, vous êtes entouré de calcium, sans le savoir. Et la baie du Mont-Saint-Michel et le débouché maritime de la Loire constituent un écosystème très riche en calcium, à la fois à cause du jeu des marées, mais aussi à travers le sable coquillé, ce mélange qui se forme au contact des éléments. Et donc, une activité d'extraction de minéraux marins va émerger dans les années 20. Elle va donner naissance à une marque, les industries probiomères, qui vont briser des coquillages, des minéraux marins, également sécher des algues en utilisant des microtechniques d'horlogerie. Très rapidement, le procédé fonctionne, et en particulier pour le transport et les ventes d'œufs. Les œufs étaient très très fragiles, et parfois sur une douzaine d'œufs, il n'en restait que deux. Et le calcium du sable coquillé va être utilisé comme alimentation pour le bétail et va permettre de renforcer le calcium, notamment des œufs de poules, en les rendant plus résistants. Il facilite le transport et les ventes et peuvent rapidement se transporter par train jusqu'aux Halles de Paris. Alors, vous avez ici un coquillage qui a fait beaucoup parler de lui. C'est l'un des premiers logos des industries probiomères. Mais toutefois, il y a eu un contentieux avec la société Shell qui exploite les stations-service, les stations à essence, qui considérait que le logo était trop proche du logo en forme de coquille que vous connaissez sans doute dans la plupart des stations-service de la marque. Alors, le succès rencontré au niveau des œufs va être récompensé par la prime d'honneur du ministère français de l'Agriculture pendant la grande crise de 1936. Cette prime d'honneur était une sorte de bourse de l'innovation qui récompensait notamment des brevets qui avaient été déposés. C'est aussi le reflet d'une époque qui engage la modernisation de la France d'après-guerre, extrêmement marqué à la fois par les pénuries alimentaires, et c'était aussi une période aiguillée par l'avance des Britanniques et des Américains dans ce domaine, qui avaient très bien organisé des filières de pêche, et en particulier la filière du lait. Et la France voulait rattraper justement son retard en mettant en place des filières ultramodernes. Alors, pour se développer, les industries probiomères vont s'associer avec des marins pêcheurs et vont se porter acquéreurs d'un bateau, notamment sur les côtes de la Manche, qui va s'appeler le Saint-Pierre. Je me permets d'insister sur le nom de ce bateau parce qu'on l'a souvent oublié, mais de grandes familles nantaises sont effectivement reliées aux îles anglo-normandes et à de nombreux territoires insulaires sur la Manche. Le choix de ce nom, le Saint-Pierre, fait justement référence à Césarée, qui était l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et puis, le nom Césarée, pour désigner Jersey, fut maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, forme latinisée qui signifie « la très grande île ». Alors, il y a toujours un programme immobilier à Jersey qui, pour limiter les effets des résidences secondaires, s'appelle toujours « Endium Homes ». Alors, je pense bien sûr à un très grand armateur qui a aussi été un acteur de la politique nantaise, c'est Daubré, qui a joué un rôle aussi extrêmement important avec les îles anglo-normandes et qui a, bien entendu, avec ses origines protestantes, laissé aussi des traces dans le centre-ville de Nantes
autour de ce manoir, le manoir des Irlandais, que vous connaissez sans doute. C'est aussi d'autres symboles qui font le lien avec la Manche, avec les îles anglo-normandes, avec Césarée. Je pense bien sûr à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, qui elle aussi est une signature architecturale forte de l'histoire biblique et de la ville de Nantes. Alors, ce qui a justement permis le développement des industries probiomères entre terre et mer, ouvert sur l'océan, c'est une culture du brevet. Tous les procédés ont été, dans un premier temps, brevetés avant de les industrialiser. Et pour se développer à l'international, il a fallu monter des partenariats atypiques dans des domaines très variés. Ce sont à la fois des contacts avec des filières de l'économie monastique, comme par exemple les moines de l'abbaye de Sept-Fonds dans l'Allier, qui fabriquent toujours aujourd'hui un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Mais ce sont aussi des contacts avec des milieux scientifiques, et je pense tout particulièrement à l'appui déterminant d'une femme qui s'appelait Lucie Randouin. Je le précise parce que le mois de mars était justement l'occasion de célébrer la Journée internationale de la femme. Et Lucie Randouin a été une très grande biologiste, une scientifique hygiéniste qui a été la première femme à rejoindre l'Académie de médecine. Alors, elle n'est pas la première femme à enseigner en Sorbonne. Avant elle, il y a eu Marie Curie. Mais en tous les cas, ces travaux ont été précurseurs à la fois pour organiser des filières et ont été extrêmement reconnus dans le domaine de la nutrition à l'Académie de médecine. Vous pouvez retrouver à ce titre sa lettre de candidature sur Internet qui est extrêmement touchante. Il y a aujourd'hui un appel à la conception d'un timbre à son effigie. Vous savez que Lucie Randouin a été aussi la source d'inspiration croisée pour la botanique et la nutrition dans le pays nantais. Vous avez certainement pu explorer la grande richesse botanique du Jardin des Plantes, mais ce sont aussi d'autres relations qui se sont développées entre Nantes et les océans. Le hangar à bananes fait aussi est un élément fort de cette histoire parce que illustre justement les changements d'après-guerre en termes d'approvisionnement et l'émergence de filières de stockage, de recherche de produits naturels venant des îles au-delà des océans. Les pêcheurs, les marins-pêcheurs, les Terre-Neuve de Trente-Mouth ont été aussi des ambassadeurs de la pensée de Lucie Randouin en allant justement promouvoir dans le port de Nantes des produits naturels, des produits qui n'étaient pas trafiqués par les humains. C'est la pêche au saumon Norvège, c'est la promotion de l'huile de foie de morue que vos grands-mères ont certainement connue, et c'est aussi des filières et des valeurs. Je pense au gros sel de l'île de Noirmoutier, ou encore les richesses salicoles de l'île de Ré, ou même dans la presqu'île de Guérande. En tous les cas, c'est une part de l'histoire de Nantes, une part de l'histoire transatlantique, puisque le hangar à bananes a été aussi le point de ralliement de ces cargos bananiers, et vous avez peut-être connu l'un d'entre eux, le Fort Carillon, qui appartenait à la Compagnie Générale Transatlantique, et qui, justement, faisait décharger sur le quai des Antilles ces fameuses bananes, ces fruits exotiques pleins de vitamines, par bateau de Guadeloupe, de Martinique, de Guinée et de Côte d'Ivoire. Voilà en tous les cas un élément fort de l'histoire de Nantes, de ce passage de témoin entre mer et océan. Dans les années 60, il va aussi falloir s'adapter à de nouveaux paramètres. Je vous ai parlé du sable coquillé qui a été prioritairement exploité dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'était beaucoup plus difficile de le faire dans l'estuaire de la Loire.
Et il va se produire une période importante de pénurie, avec des maladies en particulier qui vont ronger les huîtres et tout l'écosystème de la baie. Et c'est à cette même époque que les Japonais vont arriver dans le Grand Ouest de la France, puisqu'en 1967, des ostréiculteurs vont recevoir l'aide de leurs homologues japonais, en particulier de la baie de Sendai, pour reconstruire les parcs décimés. Et la même année, Rennes se jumelait avec Sendai au Japon. Nantes a également une relation ouverte avec l'Extrême-Orient et un jumelage avec la ville japonaise de Niigata. Alors, pour justement contourner ce problème, un substitut sera recherché auprès d'importateurs du port de Nantes, qui sera aussi un véritable laboratoire et qui va justement expérimenter de nouvelles gammes de produits avec la farine de manioc de Madagascar, qui elle aussi, comme le hangar à bananes, est arrivée sur les portes maritimes de Nantes. Alors, cette farine de manioc de Madagascar est encore très utilisée en Afrique et dans l'océan Indien. Je m'arrête sur ce point parce que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, prépare la prochaine COP26 qui se déroulera au Royaume-Uni. Et le manioc, en particulier l'amidon de manioc, revient sur le devant de l'actualité, sur le devant de l'actualité de l'économie circulaire, parce qu'il existe une technologie indonésienne qui permet actuellement de transformer le manioc en sachets et surtout en sacs biologiques. Et donc, l'attrait du manioc prend aujourd'hui de l'ampleur et de plus en plus de pays africains s'y intéressent dans la lutte contre les déchets plastiques, qui est un sujet qui concerne les continents, mais aussi les océans. Et progressivement, de grandes entreprises s'impliquent sur le sujet avec l'exemple qui est mentionné ici de L'Oréal, mais aussi des Kenyans. En tous les cas, good luck à nos amis britanniques pour la COP26 qui, j'espère, encouragera de l'innovation dans ce domaine. Vous savez que le président Biden a annoncé que les États-Unis réintégraient l'accord de Paris et vont certainement œuvrer dans la gouvernance et dans les discussions multilatérales des prochaines COP et en particulier de cette COP26 qui arrive à l'horizon. Alors, ce qui rapproche justement Nantes et Jacksonville, c'est ce pont transatlantique qui, comme je vous l'indiquais, est un écosystème très riche en minéraux marins, mais aussi un passage de témoin pour croiser et innover demain. C'est un élément qui a aussi marqué beaucoup de familles d'industriels. Je pense en particulier à la famille de Christian Dior à Granville, puisque son père, Lucien Dior, a été un industriel très important dans les engrais et qu'il est justement allé étudier en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Alors, j'ai peu parlé du rôle des îles, mais ces sentinelles de granit ont aussi eu un rôle extrêmement important. Elles sont des laboratoires d'innovation dans tous les domaines et Nantes a su cultiver des liens importants. C'est en particulier avec la famille Dobré, cette grande famille d'armateurs qui a développé de nombreux échanges avec l'Europe du Nord et l'Atlantique Nord. Récemment, une marque a été créée qui s'appelle le savoir-faire des îles du Ponant et l'archipel de Chauzet, qui est un quartier insulaire de Granville, est par exemple une île partenaire de cette marque. Alors, un écrivain qui résume le mieux cette relation, c'est Victor Hugo, qui, en particulier à travers une œuvre très célèbre, Les travailleurs de la mer, rend hommage à ce pont transatlantique. Victor Hugo est une personnalité intéressante parce qu'il est né à Besançon, en Franche-Comté, capitale de l'horlogerie,
et il a passé 15 ans de sa vie en exil dans les îles anglo-normandes. Et beaucoup de personnalités vont avoir des échanges avec lui, personnalités nantaises, je pense à Ledru Rollin, Ange Guépin, beaucoup de syndicalistes dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire. Et Victor Hugo, pendant son exil, était aussi abonné à un journal qui a été l'ancêtre de Presse Océan, le phare de la Loire. En tous les cas, cette période de grande créativité littéraire a été aussi l'occasion d'imaginer la figure d'un roi au crinier de l'océan qui refuse le droit d'entrer de l'or et de l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie ayant cours est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, quid de Nantes dans tout ça, et quelle relation peut-il y avoir avec ces villes partenaires ? Il y a certainement un dialogue à entretenir, à réinventer autour de ça. Vous savez peut-être que le tennisman Rafael Nadal vient se fournir en montre ici dans le Grand Ouest, à Rennes, dans le cadre d'un partenariat avec un ami qui a développé une très grande maison d'horlogerie, mais probablement que la galerie de l'horloge au passage Pommeret pourrait justement être un écrin pour rappeler ces échanges horlogers, pour rappeler cet axe horloger transatlantique et même transmanche. Alors, c'est peut-être aussi d'autres alchimies à trouver avec de nouveaux matériaux biosourcés, en s'inspirant de quartiers de la création, de nouveaux écosystèmes qui germent des deux bords de l'Atlantique. Bien sûr, il y a la reconversion des quais à Jacksonville, le Miami Design District qui associe aussi beaucoup de cultures de la Caraïbe, de diaspora, de communautés créatives qui ont un véritable savoir-faire artistique, je pense à Little Haiti, et puis le quartier de création dans l'île de Nantes qui lui aussi peut peut-être être un catalyseur pour encourager justement des liens avec les relations de jumelage que Nantes développe avec Jacksonville. L'horlogerie est aussi mise en valeur dans Pays de Galles, à Cardiff, qui est justement jumelée avec Nantes. Alors, il y a sans doute aussi d'autres initiatives à imaginer. C'est peut-être un parcours de l'horlogerie imaginaire, parcours transatlantique, qui pourrait être encouragé avec des pôles d'innovation qui existent des deux bords de l'océan. Je vous précise qu'il existe des programmes similaires menés dans d'autres villes. Je pense en particulier à la ville de Strasbourg, qui est très en avance sur le sujet et qui a mis en place un programme insolite qui s'appelle l'Industrie Magnifique et qui a été lancé par le directeur marketing monde de Cronenbourg et qui vise à faire rencontrer des vieux métiers, des créateurs, des champs nouveaux en matière d'innovation. Alors, il y a aussi un tiers-lieu maritime qui est actuellement en projet à Lorient et qui peut également inspirer de nouveaux contacts avec les échanges créatifs et innovants transatlantiques. Et puis, je vous parlais en début de conférence de la marque Zenith qui appartient au groupe aujourd'hui LVMH. Ce qui est extraordinaire, c'est que la fondation LVMH à Paris est un vaisseau de verre, un vaisseau de proue qui est un clin d'œil peut-être à la très grande richesse des liens horlogers transatlantiques qui ont aussi pu exister. Vous avez ici des différentes photos en Floride de plusieurs enseignes du groupe LVMH qui utilisent des conteneurs de bateaux. Donc, ça montre aussi l'ouverture sur la mer qu'on peut certainement trouver ensemble et mettre en valeur comment justement des communautés se sont appropriées des traditions pour les réinventer. Je vous remercie pour votre attention. J'espère n'avoir pas été trop long et je vous invite à ouvrir les échanges si vous avez des questions.
En mot de conclusion, je voudrais rappeler que les avancées horlogères et la marine sont liées, à la fois parce que les premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps sur les navires ont été une révolution, et elles ont permis à des marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Ce sont de grands personnages qui sont passés à Nantes, qu'on a peut-être oublié, mais en se promenant sur le quai du Guet-Rouen, place du Commerce, ou même en allant sur le quai Surcouf de Rezé, peut-être que justement des visiteurs peuvent se replonger dans cette très riche histoire. Je vous propose, si vous le souhaitez, de réagir, et merci encore à tous pour votre attention. Le webinaire est aussi ouvert à travers une bulle de discussion. Si vous avez vous-même des questions que vous souhaitez mettre en valeur, n'hésitez pas à réagir dans la petite boîte. Il y a une capsule vidéo. Alors, nous sommes limités à 40 minutes. C'était le format qui était proposé aujourd'hui. Il reste seulement une minute avant la fin du webinaire. Les planches vous seront transmises si vous souhaitez prendre connaissance et explorer ce sujet. Et puis, la Maison des États-Unis vous mettra également à disposition l'ensemble des ressources qui ont permis de préparer cette conférence. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas, il reste encore quelques instants. Alors, il y a une... Merci beaucoup. Ça, c'est un message de Nadia.